à New York, le bouleversement est aussi artistique. Le temps n'est pas encore à l'analyse, mais à la découverte de ces nouveaux courants étranges et novateurs. Avec la culture européenne pour fondement, le nouvel art américain développe ses propres formes et se libère de ses inspirations. C'est en direct que Henri Daumont nous fait vivre l'émergence du pop art et du minimal art. On découvre de jeunes artistes dans l'atelier, bricolant leurs œuvres. En quête de reconnaissance, ils s'affichent, humbles et ouverts, mais sûrs de leurs propos. À la fin des années 1960, au début des années 1970, Henri Daumont fournit un grand nombre de portraits pour les pages culturelles du New York Times. Le supplément du week-end du New York Times Magazine nous livre chaque samedi des commentaires sur l'actualité cinématographique à l'image de Easy Rider, la musique contemporaine avec les dernières compositions de Philip Glass ou encore le scandale Hair. Henri Daumont saisit les figures créatives d'un art en train de se faire.